La fin d'année arrivant, tout le monde recherche les bons prix, les meilleures affaires pour se faire des cadeaux, pour en acheter pour tout le monde, pour que ce soit sympa, tout ci, tout ça. Et justement, il y a une fête qui est là depuis quelques années, vous le savez, ça vous aura pas échappé. Enfin, pas une fête, plutôt un événement, je dirais ça, parce que la fête c'est plutôt Noël, c'est plutôt après. L'événement c'est le Black Friday et le Cyber Monday. Pour avoir les meilleures offres, les meilleurs prix, je vous dis que ce soit pour vous, pour vous équiper, ou alors pour préparer les cadeaux pour Noël, comme ça vous les achetez beaucoup moins cher. Et ça c'est malin. Alors je dis les cadeaux pour Noël, si vous êtes des enfants, c'est le Père Noël. Voilà, c'est le Père Noël, ce sont pas les parents, c'est le Père Noël. Faire des conneries. J'espère que mon fils ne regardera surtout pas cette vidéo. J'ai noté plusieurs offres qui sont vraiment très intéressantes. Je vous mets tous les liens en bas dans la description. Alors j'ai sélectionné des produits que je connais, des produits que j'aime. Il y en a plein d'autres qui sont vraiment intéressants. Je vais vous parler de produits un par un que j'ai sélectionnés, que je trouve vraiment, vraiment intéressants, qui sont des offres qui sont vraiment cool par rapport aux tarifs qu'on peut trouver actuellement sur le marché. Et puis il y a aussi pas mal d'offres un peu générales, un peu globales. Je vous mets tous les liens en bas dans la description. Allez jeter un petit coup d'œil, vous verrez, il y a ceux qui sont vraiment très, très intéressantes. On va commencer par les offres hyper cool du côté de chez Xiaomi. Alors j'ai tout noté là, j'ai pas appris par cœur parce que les tarifs, vous en douterez, c'est un petit peu imbuvable. Il y a un truc qui est vachement intéressant pour la mobilité, le Mi Electric Scooter, la trottinette électrique de Xiaomi que j'ai, qui est juste là à côté, mais vous ne la voyez pas, et j'étais à côté de la moto. Regardez, bon, allez, on regarde. Elle est là, vous voyez là. Vous avez la complète, vous avez le vélo de mon fils, vous avez la trottinette, là on voit le guidon qui est là, vous avez la Ducati qui est là. Donc tout est là, tout est situé exactement au même endroit. C'est très pratique. Ici, c'est l'antre de la vidéo, mais c'est aussi l'antre de la mobilité. Comme ça, on n'arrête pas le problème. Venez, bah, je vous remets un petit peu plus comme ça. Voilà, tout va bien. Vous êtes bien calé, tout va bien, tout roule. Mi Electric Scooter, qui est vraiment une trottinette, moi, que j'adore. J'utilise très souvent. Vous avez 50 euros de remise. Au lieu de 399, vous la trouvez à 349 euros. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, notez qu'il y a le modèle Pro, si vous voulez aller plus vite, plus loin. Mais celle-là, déjà, si vous n'avez pas des grandes côtes, et si vous voulez vous déplacer de façon vraiment, vraiment simple, 349 euros, c'est vraiment, vraiment canon comme tarif. Il y a un autre produit qui est vachement cool, c'est le projecteur laser. Mi laser vidéo projecteur de Xiaomi, que je vous ai déjà montré plusieurs fois dans différents événements. Et là, vous avez une offre qui est vachement intéressante. Vous avez 600 euros de remise sur la bécane. 600 euros au lieu de 1899, vous la trouvez à 1299. Autant dire que si vous voulez vous faire plaisir, vous avez un tarif qui est hyper, hyper canon. Autre produit que j'aime beaucoup chez Xiaomi, où ils ont fait une offre qui est hyper canon, je vous en ai déjà beaucoup parlé, c'est le Redmi Note 7. Alors, vous avez deux versions. La version 32 Go, vous le trouvez à 169 euros au lieu de 199 euros. Il est hyper bien positionné. Et la version 64 Go, au lieu de 249, vous l'avez à 189 euros. À ce tarif-là, un Redmi Note 7, ça reste toujours une valeur de référence. On part ensuite faire un tour du côté de chez Oppo. Alors chez Oppo, il y a plusieurs offres, mais il y en a une que je trouve vraiment intéressante, c'est leur plus haut de gamme dans la gamme Renault de cette année, c'est le x10 Zoom, qui est franchement hyper cool. Vous avez 150 euros de remise, il coûte normalement 799 euros, vous le trouvez à 649 euros. Tant vous dire que si vous voulez vous équiper du côté de chez Oppo, sur le plus haut de gamme, en tout cas la gamme Renault, c'est celui-là qu'il faut prendre. Alors il y a des remises sur le Renault et sur le Renault Z. Je pense qu'il vaut mieux aller sur le Renault 2 et éventuellement le Renault 2Z, mais qui par contre, eux, n'ont absolument pas de remise pour Black Friday parce que ce sont des produits qui sont très nouveaux. Mais si vous voulez vraiment profiter d'un tarif vraiment cool, le Renault x10 Zoom, il est super bien à 649 euros, c'est juste parfait. Autre produit qui est vraiment cool chez OnePlus, OnePlus 7 Pro. Je l'ai utilisé pendant plusieurs mois, vraiment super smartphone, l'écran 80Hz. Je vous invite à aller voir mon test, il est vraiment vraiment cool. Vous avez moins 140 euros, croyez-moi, c'est vraiment énorme du côté de chez OnePlus. Au lieu de 768 euros, vous le trouvez à 599 euros. Vous avez un code, il faut aller sur le site de OnePlus, je vous mets le lien en bas dans la description, cliquez dessus pour aller voir. Le code c'est 2019BF lorsque vous allez acheter et vous avez ce tarif là. En plus, vous avez le OnePlus 7 Pro, vous avez une coque de protection et vous avez les écouteurs OnePlus fournis avec. Donc ça, c'est vachement cool. Autre marque qui est vraiment très très grosse cette fois-ci, Apple. Alors Apple, ils ont des offres qui sont vraiment vraiment cool sur le MacBook Air et MacBook Pro. Il y a pas mal d'offres, ça dépend de la config que vous voulez. Vous avez jusqu'à moins 23% sur le MacBook Air et sur le MacBook Pro, vous allez pouvoir trouver des choses entre moins 13% à moins 22%. Un exemple, sur un MacBook Air, au lieu d'avoir à 1099 euros, vous le trouvez à 849 euros, c'est quand même plutôt pas mal. Vous êtes de 12 à 23%. Ça vous permet de les toucher à des meilleurs tarifs. MacBook Air, MacBook Pro. Autre mise qui est intéressante, c'est l'iPhone XR, qui est un iPhone de 2018, mais qui reste quand même plutôt actuel, que je trouve bien, qui est performant, qui marche bien. Les remises seront moins impressionnantes, vous allez avoir moins 6% de remise.
Bon, c'est toujours 40 euros de prix, c'est toujours ça. Au lieu de 709, vous l'avez à 669. C'est déjà ça de prix. Et vous avez moins 30 euros sur la Watch Series 3. Plutôt cool. J'ai trouvé aussi plein de choses vraiment intéressantes du côté de chez Samsung sur les S10, S10 Plus, S10e. Le plus gros remis, c'est sur le S10e. Au lieu de 759, vous le trouvez à 499. Moins 260 euros. Ça, c'est vraiment hyper cool. Le S10, vous l'avez à moins 210 euros. Ça vous le fait à 699 au lieu de 909. Plutôt bien. S10 Plus, moins 210. 799 au lieu de 1009. Vraiment cool. Vous avez des offres. Alors, il y a un truc qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est sur le Note 9. Le Note 9 reste toujours très actuel. Le Note 10, effectivement, enfin, plus de choses. Mais le Note 9 marche toujours très, très bien. L'écran est superbe. Avec le stylet, vous faites plein de choses. C'est vraiment cool. Vous avez 410 euros de remise. Eh, ça c'est pas mal quand même, 849 euros au lieu de 1259 euros. Autres produits qui sont vraiment intéressants, vous avez des remises sur la Galaxy Watch, que j'ai vraiment adoré, et la Galaxy Watch Active. Alors j'ai préféré la Watch Active 2 à la Watch Active, mais elle est pas mal pour un côté un peu urbain, ça fonctionne. Vous avez de moins 26 à moins 28%, une fois de plus, vous avez tous les liens dans la description. Et si vous voulez une tablette qui coûte pas trop cher chez Samsung, vous avez la Galaxy Tab A que je vous ai déjà présentée. On a moins 18% de remise, ça la sort à 229 au lieu de 279 euros. C'est une tablette, je dirais, plus multimédia pour la maison. C'est pas la plus puissante, on est loin d'une Galaxy Tab S6. Mais elle fonctionne quand même plutôt pas mal, donc c'est un tarif qui est relativement intéressant. Autre chose très intéressante, on va faire un tour du côté de chez Huawei. Huawei, il y a des trucs qui sont vraiment cool, alors rassurez-vous, je vous le dis en préambule, tous les produits qui sont là sont des produits de la licence Google. Donc vous êtes tranquille, tout va bien se passer, vous aurez les mises à jour, tout se passe bien. P-Smart 2019, je vous l'ai déjà présenté, vous l'avez à 159 au lieu de 219, moins 60 euros, ça c'est cool. P-Smart Z, avec la petite caméra pop-up, sans l'encoche, 209 au lieu de 249 euros. Plutôt bien. P30 Pro et P30, vous avez moins 200 euros des deux côtés. Le P30 Pro, ça vous le sort à 649 au lieu de 849. Le P30, ça vous le sort à 449 au lieu de 649. Vous avez aussi une remise intéressante sur le P30 Lite. Au lieu de 329, vous l'avez à 249 euros. Plutôt cool. Et il y a un produit qui est bien, qui n'est pas de cette année, qui est de 2018, mais qui est encore vachement actuel, qui marche très bien, qui est axé performance. C'est le Mate 20 Pro, où là, vous avez moins 300 euros de remise. Au lieu de 899, vous l'avez à 599. C'est une machine qui reste toujours très performante, très actuelle, qui marche bien, qui a de très bons rendus photo et qui, à ce tarif-là, est vraiment hyper intéressante. Je vous ai noté aussi chez Google le Pixel 3a, qui est le smartphone milieu de gamme de Google, qui est excellent en photo dans le milieu de gamme. Vous l'avez à 349 euros, le 399, ça c'est vraiment, vraiment cool. Et c'est aussi le Black Friday chez mon partenaire RhinoShield. Vous avez du jeudi 28 novembre, le jour de mes 40 ans, jusqu'au mardi 3 décembre, de 15 à 60% sur tout le site, sur tous les produits RhinoShield. Et en plus, avec le code Monsieur Greux, vous avez 10% supplémentaire. Donc vous pouvez y aller. C'est le meilleur moment de l'année pour acheter des produits RhinoShield, quel qu'il soit, que ce soit de la protection d'écran, que ce soit de la coque solide, que ce soit de la crash guard, tout ce que vous voulez. Allez-y, vous avez le lien en bas dans la description. Et alors après, je vais sélectionner 2-3 autres trucs plutôt dans l'audio, notamment la Marshall Acton 2. Je vous ai déjà présenté avec la Stanmore 2. L'Acton 2, vous avez moins 90 euros. Ça vous la sort à 159,99 au lieu de 249,99. Son de légende, Marshall, son typé, rock'n'roll. Ça marche vachement bien, c'est très très cool. Et je vous ai trouvé aussi un truc intéressant sur le casque Sony, le WH-1000XM3, qui est le casque référence au niveau de la réduction de bruit. Au lieu de 349,99, vous l'avez à 299,99. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, il y a des remises aussi sur les casques Beats. Vous trouvez des choses pas mal aussi du côté de Google, Google Nest. Et justement, pour Google Nest, j'ai sélectionné une offre qui est vachement bien. Il y a un pack exclu Fnac, le lien est en bas. Pack Google Nest Hub plus kit de démarrage Philips Hue. C'est-à-dire que vous avez votre Google Nest Hub qui vous servira à piloter votre maison, piloter vos éclairages, pouvoir avoir des recettes de cuisine comme un Google Nest. Vous lui parlez, sauf que vous avez l'écran plus. C'est pas comme une tablette, c'est vraiment un usage différent. Moi, je l'utilise, je trouve vraiment bien. Et vous avez carrément 100 euros de remise. Au lieu de 299,99, vous l'avez à 199,99. Donc, si vous voulez démarrer chez vous avec de l'éclairage connecté et avec Google à la maison, croyez-moi, ça c'est vraiment un pack à ne pas louper. J'ai vu aussi des offres du côté de la télé. J'en ai trouvé une que je trouve vachement cool. C'est la Samsung, c'est la QLED 55 pouces 4K. Vous avez moins 600 euros de remise au lieu de 1799, ça vous la sort à 1199. Alors il y a pas mal de télé, il y a pas mal de vidéos proches, je vous mets un lien global pour aller voir, il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes. Ça c'est vraiment hyper cool. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour de tout ce que j'ai sélectionné tout de suite. Ça fait quand même pas mal de choses. Alors il y a beaucoup de choses, il y a aussi des consoles, il y a des caméras, il y a vachement de choses. Je vous mets donc des liens sur tous les produits que je vous ai cités, je vous mets aussi des liens globaux, vous pouvez aller voir. Il y a des choses qui sont vraiment hyper intéressantes. Le jour j'étais à une soirée où il y avait une étude de marché globale sur les chiffres des smartphones, des progressions, tout ça. Il disait que Noël reste toujours une phase d'achat qui marche très très bien, mais le Black Friday, ça lui emboîte le pas de façon hyper intéressante. En fait, vous êtes quasiment un mois avant Noël, donc les gens achètent
au Black Friday. Vous pouvez acheter beaucoup moins cher, quelques jours après vous allez acheter plus cher pour l'offrir au même moment. Voilà, ça peut franchement avoir un sens. Puis pour s'équiper, c'est une date qui est vachement intéressante. Et ça, c'est vraiment, 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 vraiment marrant. Donc là, je vous ai sélectionné des choses sur des produits dans lesquels je vous parle, mais il y a aussi plein d'autres univers. Donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce que vous achetez, vous, au Black Friday? Est-ce que vous avez déjà acheté des produits lors de cette période? Est-ce que vous allez renouveler? Et si oui, maintenant, dites-moi tout ça en bas en commentaire. Je vous ai mis tous les liens, vous pouvez y aller, vous cliquer. Sur ce, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour vous parler de ma sélection de Noël. Là, je vous ai vraiment parlé de prix, de produits existants. Là, je vais vous dire qu'est-ce que je vous conseillerais, moi, d'acheter à Noël. Quels sont les produits que je trouve intéressants d'ici quelques jours. Sur ce, je vous embrasse. Rendez-vous dès demain et on continue à parler de tech. Il y a plein de choses à dire, il y a plein de trucs cool. Et dans quelques jours, je vous emmène à Hawaï. C'est juste ouf pour partir avec Qualcomm. Il y a un nouveau processeur de Qualcomm qui va arriver l'année prochaine. Le Snapdragon, je vous dirai pas quel numéro, je vous dirai rien. Pour l'instant, c'est Motus et bouche cousue. Je n'ai pas le droit d'en parler. C'est sous embargo. Je peux pas vous le dire, mais croyez-moi, ça va dresser le portrait robot des smartphones de 2020, de là où on va pouvoir aller en termes de performance, des nouveautés, des nouveaux usages, des trucs top. J'ai déjà tout vu, quasiment. Croyez-moi, ça va être dingue. Et on en reparle ici quelques jours à Hawaï. Sur ce, je vous embrasse. À demain. Ciao.